Salut. Je vois que t'as rajouté ta petite touche. Ça me fait tout bizarre de te voir déguisé en moi. Des fleurs? Merci. Tu ne m'auras pas. Si t'es là, c'est pas pour moi. C'est pour récupérer le pendentif. Max m'a dit que tu étais venu à l'école. Et qu'on sortait ensemble. Sauf que là non plus, c'était pas moi que tu cherchais. Je vais te dire un truc. Je suis loin d'être débile. Et que les choses soient claires, on sera jamais ensemble. Pigé. Tu ferais mieux de t'en aller, de toute façon tu ne le trouveras jamais. Et la dernière chose dont j'ai besoin avant la représentation la plus importante de ma vie, c'est qu'un traître dans ton genre vienne m'offrir des fleurs. D'accord? Et bye bye. Ouch. Tu sais quoi? Je crois bien que je suis accro. Il me les a achetés ce matin. De douzaine. Qui? Tu le sais très bien. Un blond très mystérieux. Son prénom rime avec Franck. Super. T'as tout gâché. Il s'appelle Franck. Je me demandais quand t'allais réapparaître. Laisse-moi deviner, t'as le pendentif, mais tu ne fais pas confiance à Pinky? Peut-être bien. Mais j'ai un super plan. Tu vas le garder avec toi et... Et le cacher à un endroit où Lena et Inès ne pensent pas à regarder genre sous leur nez? T'es vraiment génial. Je sais. J'ai oublié le pendentif, il faut y retourner. Non, c'est trop dangereux. Mais on va trouver un moyen. Oh, Mademoiselle Parfaite veut qu'on lui obéisse tous parce qu'elle a voyagé dans le temps. Flash info, t'es pas la seule, Lena. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Je me disais que c'était carrément incroyable que toi, tu es incroyable. Les gens ont toujours peur de tout faire pour obtenir ce qu'ils veulent, mais pas toi. Toi, tu n'as peur de rien. Et tu es talentueuse et magnifique. J'ai pas beaucoup de temps. Ok, alors je t'explique. Comme Henri a son propre pendentif, Lena le sien, et qu'il nous faut les deux, on va utiliser le portail portable. C'est ça ton plan? Non, je veux pas retourner en prison temporelle. Je vais danser avec la compagnie. T'es sérieuse? Mais c'est génial, Théa! Oh, j'en reviens pas, c'est une super nouvelle! Je dois sauver Clive. Je peux pas laisser Lena tout gâcher. Il faut absolument que j'agisse. J'ai pas le choix. Mais une fois que ce sera fait, je te promets que tous les deux, on ira conquérir le monde. Tu crois que je pourrais vivre dans deux époques à la fois? Écraser Claudine en 1905 et intégrer la compagnie ici? Cette fois, je laisserai pas Lena gagner. Et je crois que je sais comment faire pour récupérer les pendentifs. Quoi? Je suis très fier de toi. Got any questions for us? Leave them in the comment section below and turn on that notification bell. You'll never miss a video.